Et je suis tellement content de commencer un nouveau livre de la Bible, un livre qui est assez court, mais un qui contient beaucoup de sujets importants, comme cette question qui date du début du monde au sujet de l'existence du mal. Et au-delà de ça, ce livre va aussi nous faire entrer dans des prophéties qui regardent nos jours actuels, incluant une description de la deuxième venue de Yeshua. Ce livre va nous donner des informations qui n'ont pas été mentionnées encore par d'autres prophètes, entre autres. Nous allons voir à travers ce livre comment Dieu, le Dieu des Écritures, est tellement sensible et réagit à nos conditions, à notre souffrance et même à nos questions. Nous allons voir comment un homme, Habacuc, qui était tellement affecté par le mal alentour de lui, qu'à la fin, qu'il a posé une question à Dieu, mais finalement, ça a fini par renforcer sa foi et lui donner une grande, belle relation avec Dieu. Mais au début, il pose la question à Dieu. Alors, c'est un livre de 3 chapitres qu'on ne lit pas tellement souvent, mais si vous commencez par Matthieu, vous retournez en arrière à l'Ancien Testament, vous allez trouver 5 livres avant. C'est le livre de, justement, Habacuc. Le 5e livre, vous savez, on dit souvent que le chiffre 5 est le chiffre de la grâce, mais retournez en arrière de 5 livres avant Matthieu, vous allez trouver Habacuc. Et ce qui est différent de tous les autres livres qu'on connaît, ou à peu près, c'est que c'est une conversation entre un homme et son Dieu. Lorsque le prophète voit une condition triste, et combien que le mal grandit dans son pays, il se tourne vers Dieu, il demande la question assez émouvante, jusqu'à quand? Pourquoi Dieu ne fait rien au sujet des agressions de plus en plus souvent qui arrivent, les offenses, les crimes et tout ça qui arrive alentour de nous? Vous savez, on dit des fois qu'il y a des gens qui s'en tirent même avec le meurtre. Alors, quand ces gens sont, dans le fond, sont accusés, mais ils sont censés, dans le fond, payer pour le mal qu'ils ont fait. Mais on voit que si ce n'est pas le cas, bien, ça revient encore pire après. Habacuc, en fait, demande cette question à Dieu 2600 ans avant le temps d'aujourd'hui. Et même avant lui, Job a demandé le même genre de question il y a 4000 ans. Qu'est-ce que Dieu fait au juste avec le mal? Qu'est-ce que Dieu en fait? Mais si on s'arrête une minute, on peut se demander quelque chose. C'est pourquoi on demande ça à Dieu? Pourquoi on ne se demande pas ça à nous? On demande ça, pourquoi Dieu ne fait rien? Comme si Dieu était responsable du mal qui a grandi dans le monde. Comme s'il était responsable de nos actions. Mais le Seigneur lui-même a demandé la même question. Il a demandé déjà à Habacuc, combien de temps? Il a demandé aussi à Moïse, jusqu'à quand est-ce que le monde va me repousser, me rejeter? Il a demandé à Moïse dans Nombre 14, verset 11, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Exode 16, 28, on voit que le Seigneur dit que le mal continue et continue encore, tellement qu'à un moment donné, ce qui est arrivé dans l'histoire, rappelez-vous, Dieu a fait arriver un déluge. Et après le déluge qui a détruit le monde entier, sauf 8 personnes, on voit qu'ensuite, avec le début du peuple d'Israël, il commençait par détruire un village, une ville, une nation, parce que le péché était rendu au point maximum. Et on voit ça dans la Bible. Alors, quand on considère cette question profonde, jusqu'à quand, Seigneur? Il n'y a pas... c'est pas que le Seigneur est silencieux et il est sourd, mais c'est plutôt notre côté qui sommes sourds en pointant le doigt vers lui alors que ces troubles-là viennent de nous, de l'homme, de l'humanité. Mais n'oubliez pas que Dieu a dit dans Ésaïe 63, 9, que dans toutes leurs afflictions, j'ai été affligé. Donc,
Dieu a été affligé pendant que le peuple l'était aussi. Dieu n'est pas indifférent et très, très loin. De notre côté, avec ce principe, il faut se rappeler que le péché grandit. Vous savez, dans le David a déjà dit que s'il comptait le nombre de ses péchés, ça dépasserait le nombre de grains de sable de la terre. Mais il faut toujours se rappeler que Dieu est toujours en train de regarder et empêchant le mal d'aller trop loin. Dieu dirige, contrôle exactement jusque où le mal va. Comme Jérémie a dit, Lamentations 3:22, après tous les malheurs qu'il a connus, il a dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme ». Jérémie était un contemporain d'Habacuc, du prophète, et il a dû voir le même genre de mal alentour de lui, et lui aussi, il en a parlé. Jérémie a dit à Dieu, « Ah, Seigneur, tu as trompé ce peuple et Jérusalem en disant, « Vous aurez la paix, et cependant l'épée menace leur vie. » Jérémie 4:10. Ce verset a troublé plusieurs commentateurs. Il y en a qui ont dit que Jérémie ne faisait que répéter ce que le peuple disait, alors il parlait au nom du peuple. D'autres croyaient que Jérémie est en train de citer les faux prophètes qui parlaient de la paix. Mais est-ce que ça se pourrait que Jérémie était tellement dépassé par le mal qu'il s'est mis à accuser Dieu? Ça serait un exemple pour nous de ce que malheureusement nous avons tendance à faire trop souvent. Et ce qui est vraiment touchant dans ces choses que nous allons voir avec Jérémie et Habacuc, c'est que Dieu ne s'est pas choqué à cause qu'ils ont fait ça, mais il les a répondu à travers des prophéties. Il comprenait leur cœur, il comprend nos cœurs, il comprend nos anxiétés au fond de nous. Donc, Jérémie, Habacuc, David et Job et tant d'autres n'ont jamais perdu leur foi à cause du mal qu'il y avait alentour d'eux et nous ferions bien de prendre exemple sur eux. Et on voit, c'est à Habacuc que Dieu a donné une réponse si délicate et en même temps si puissante. Premièrement, les réponses de Dieu se trouvent dans le texte lui-même. Donc, des réponses qui contiennent des promesses et des prophéties qui pourraient réconforter le plus blessé parmi les cœurs des hommes, parmi les cœurs des humains. Alors, on voit que, alors qu'il parle du mal dans le monde, il prend comme une pause entre deux versets de jugement et il dit ces mots, Habacuc 2,14, « Car la terre sera rempli de la connaissance, de la gloire de l'Éternel, tout comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Après tout, il est Dieu, et c'est lui qui va arrêter tout ce mal, et un jour, c'est sa gloire qui couvrira toute la terre, ainsi que la connaissance de la gloire de l'Éternel, qui seront partout sur la terre. » Juste ce verset en lui-même est assez pour répondre à notre question, à notre dilemme au sujet du mal. Ces mots nous garantissent que Dieu un jour va faire cesser tout le mal et que la connaissance, la gloire de Dieu, que la paix va prévaloir. Donc, ce verset, on pourrait se dire, bien, c'est en lui seul, est assez pour réchauffer nos cœurs. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres versets à ce sujet, mais ça, c'en est un qui est très fort, de voir qu'un jour, toute la terre sera remplie de la gloire de Dieu. Amen. Mais ici, il y a une question qui a toujours existé, c'est justement, qu'est-ce que Dieu fait exactement avec le mal? On voit ici, qu'est-ce que Dieu fait? C'est que, sans même l'avertir, sans préliminaire, sans argumentation, Dieu prend Habacuc et le transporte dans le futur. On dirait qu'il le prend et le laisse tomber en plein milieu d'une invasion d'Israël par un ennemi puissant et cruel. Et c'est là que Dieu lui dit comment lui, le Seigneur, va travailler avec ce mal que Habacuc, au sujet duquel Habacuc se plaignait. Donc, à partir au début, il était comme en train d'accuser Dieu. Et ensuite, il est devenu comme un avocat pour son propre peuple.
C'est comme s'il avait dit à Dieu, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas laisser un mal plus grand punir un mal plus petit. Donc, au début, on voit que le prophète ne comprenait pas. Mais ce que Dieu fait, en fait, c'est qu'il, pour un simple moment très court, il a enlevé sa main qui retient le mal toujours pour un certain temps court. Et le prophète, quand il a vu ça, a trouvé ça tellement difficile qu'il s'est mis à prier et à supplier Dieu pour Israël. Donc, on voit que son attitude a complètement changé suite à ce que Dieu lui a dit. Donc, on voit que pour nous aussi, c'est comme nous ne sommes pas nécessairement des prophètes, mais lorsque nous sommes sur le champ de bataille et que nous avons pris les armes de Dieu, bien, il est possible que justement dans le champ de bataille, on puisse avoir, avec nos questions que nous avons à Dieu, envers Dieu, que Dieu nous réponde quelque chose comme il a dit à Habacuc, par exemple. Habacuc qui a demandé à Dieu, jusqu'à quand? Et en fait, Dieu lui répond et en même temps, il lui donne d'aller jusqu'à pouvoir être témoin de la deuxième venue de Jésus. Donc, on voit que c'est très fort pour Habacuc. Habacuc 3, 17 à 19 dit ceci: Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Toutefois, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, l'Éternel, le Seigneur, est ma force. C'est ce que la connaissance de la prophétie de la Bible en général va faire dans nos cœurs, va nous transformer nos inquiétudes en espoir. Lorsqu'on en parle à Dieu, et non partout autour de nous, mais on en parle à Dieu, Dieu peut nous donner la vraie paix. Parce que rien de plus encourageant et de vraiment puissant pour notre foi de se rendre compte que Jésus revient bientôt s'occuper du problème et un jour que toute la gloire régnera, sera sur toute la terre en entier. Maintenant, on va aller voir certains mots dans le texte qui suit. Le mot ici, Habacuc, veut dire comme embrasser, comme étreindre, mais pas juste étreindre doucement, mais vous savez, comme quand on donne un câlin très fort à quelqu'un, on le tient fort. C'est drôle parce que l'hébreu ici, dans le mot Habacuc, on voit deux fois le mot ka ou la lettre kuf en hébreu. C'est comme si, après avoir posé une question à Habacuc, c'est comme si Dieu le tenait dans un câlin très doux et pour qui a duré longtemps. Donc, c'est pourquoi son nom va très bien avec la question qu'il a posée. Donc, c'est comme si Dieu lui a donné un câlin pour le rassurer dans sa question de ce qui arriverait avec le mal et aussi avec son peuple. C'est un peu une façon de résumer l'histoire du livre. Bien, on a pensé qu'Habacuc était le fils de la femme Sunamite que David avait choisie. Et le prophète Élisée avait prophétisé que cette femme aurait un enfant dans l'année suivante. 2 Rois 4, 16. Élisée dit à la femme, à cette même époque l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Alors, à cause du mot embrassera ou étreindra, pardon, ils ont pensé que Habacuc était le fils de cette femme, mais il n'y a rien de prouvé de façon absolue. Parce qu'on sait que Élisée était un prophète qui a vécu avant Habacuc, à peu près 150 ans avant. Donc, c'est pas mal impossible, mais les gens étaient plus intéressés à faire un lien avec le nom embrassé que de regarder le temps de la chronologique exacte. Et en plus, Habacuc, lorsqu'il termine son cantique, qui est au chapitre 3, le dernier verset dit: Au chef des chantres, chantre avec instrument à cordes. Donc, c'est après qu'il ait composé une prière, un chant magnifique que nous trouvons dans le chapitre 3.
On dirait qu'il l'a lu, qu'il a chanté dans le temple avec un instrument à cordes avec d'autres sacrificateurs. Donc Habacuc très bien pu être un sacrificateur qui est devenu prophète, comme par exemple Ézéchiel, Jérémie et Zacharie, qui ont vécu dans la même période qu'il a vécu. Et en plus, Habacuc, ici, c'est difficile à trouver exactement quelle année parce que dans l'histoire, on n'a pas de roi qui est mentionné ou on n'a pas rien qui est connecté directement au ministère d'Habacuc. Et même Israël ou Juda ne sont pas mentionnés. Mais c'est parce que Habacuc pourrait aller à peu près n'importe où dans l'histoire. C'est une attaque contre Israël, une parmi tant d'autres. Et dans la réponse de Dieu, ce qui est intéressant, c'est qu'il mentionne les Chaldéens, verset 6, chapitre 1. C'est un autre nom, les Chaldéens, pour les Babyloniens qui ont été dans un moment crucial dans l'histoire d'Israël et qui a déclenché que Jésus appelle le temps des gentils, Luc 21, 24. Donc, on voit que la prophétie d'Habacuc couvre la période entière à partir de l'invasion des Babyloniens en 586 avant notre ère, jusqu'au temps présent et même jusqu'au futur retour de Jésus ainsi que des temps messianiques. Donc, on voit que la prophétie parle d'un moment avant la destruction de l'Empire assyrien et avant la levée. La montée de l'Empire babylonien qui était aux alentours de 640 avant notre ère. Parce que Dieu avait déjà prédit que Babylone s'élèverait et prendrait, vaincrait les Assyriens. Et les prophéties d'Habacuc ont fait que, en même temps, Dieu a amené un roi, un bon roi, qui est venu au pouvoir en Juda. C'était Josias qui a pris le pouvoir en 640 avant notre ère. Dans sa jeunesse, Josias a été enseigné par le souverain sacrificateur du moment, Hilkija, qui était le père de Jérémie, le prophète. Hilkija, en fait, a montré à Josias comment être amoureux de Dieu, être près de Dieu, ce qui a créé un grand réveil dans Israël. Et ce roi a vraiment renversé l'idolâtrie à travers le pays. Et Dieu a permis qu'il retrouve le rouleau de la loi, sa parole, qui avait été perdue depuis en Israël depuis longtemps. Et Josias a été capable d'appliquer la loi en Israël et il a fait un travail fantastique. Josias en hébreu veut dire guéri par Jéhovah. Et on voit aussi que, comme les prophètes Habacuc, nous allons voir dans le Nouveau Testament que plusieurs personnes trouvaient que le texte d'Habacuc était encore pour le futur. On voit ces prophéties dans la Bible qui sont disparues, qui ont été accomplies, mais certaines prophéties n'ont pas, et certaines parties des prophéties n'ont pas encore été accomplies. Paul citait Habacuc en présentant ça comme quelque chose qui va arriver dans le futur, alors qu'il y avait déjà 500 ans qui s'étaient passés après l'Empire babylonien avait été détruit. Donc on voit que Paul en parle comme étant dans le futur. Et en plus, quand Paul a commencé son voyage missionnaire, il est entré dans une synagogue en Pisidie, Antioche, et il a commencé à parler. C'est le premier discours que nous avons dans la Bible qui a été gardé, qui a été sauvegardé. Ensuite, à travers l'histoire d'Israël, Paul parle de l'Exode, de l'entrée dans le pays. Il parle de Samuel, ensuite de David, ensuite de Jean-Baptiste. Ensuite de Jésus, Yeshua, sa mort et sa résurrection. Et à la fin de tout son discours, qui est dans Actes 13, 41, il a cité Habacuc 1, 5. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait.
Donc, mais dans ces mots, on voit que sont toujours vrais aujourd'hui. Cet accomplissement de cette prophétie est toujours aussi puissante dans ce qui va arriver dans le futur. Et on voit qu'il y a, il y a un sens que vraiment Habacuc nous parle présentement de ce qui va arriver dans le futur avec l'Antichrist, avec la venue de Gog et Magog et la guerre d'Armageddon, et bien sûr la seconde venue de Christ. Et Paul n'est pas seul en pensant qu'Habacuc est toujours prophétique. Vous savez, dans les manuscrits de la Mer Morte qui ont découvert hein, des commentaires, des morceaux de rouleaux, et ils ont découvert aussi les deux premiers chapitres de Habacuc. Les commentateurs qui ont traduit cela, les Essènes, ont compris que pour les gens des Essènes comprenaient que les Babyloniens, à ce moment-là, les voyaient comme ce que les Romains vivaient et étaient en train de faire dans leur propre siècle présentement. Et même à Barbanel, un commentateur rabbinique qui a vécu dans le 15e siècle, disait qu'après avoir étudié à fond le verset dans Habacuc concernant le salut futur et non pas de ce qui arrivera simplement à Babylone. Donc, il disait que ça va bien au-delà de ce qui était pour arriver à Babylone. Donc, ça décrit une prophétie qui doit s'accomplir dans la fin des temps. En plus, lorsqu'on parle des Chaldéens, on lit que ces gens-là, dans le fond, c'était des gens qui, dans le livre de Daniel, on voit ça, qui étaient à la base religieux. Et qui, c'est pour ça qu'à la fin, dans Apocalypse 17 et 18, on voit que dans la Babylone, il y a une partie religieuse et il y a une partie politique. Et on voit aussi quelque chose de vraiment étonnant, c'est que lorsqu'ils marchent, on voit qu'ils viennent en regardant vers l'est. Mais quand on regarde les Chaldéens, s'ils marchaient vers Israël, comme on voit dans le verset 9 du chapitre 1, ils regardent vers l'est, alors que Babylone, normalement, de partir de Babylone en s'en allant vers Israël, ils devraient regarder vers l'ouest. Et c'est comme s'ils étaient tellement, vous savez, ils défiaient Dieu en regardant vers l'est. On sait que Dieu dit qu'il vient de l'est, il vient de Kedem, comme Michée 5:2 nous dit qu'il vient de l'est. Et l'est est l'endroit où la porte, la seule porte du lieu saint pouvait s'ouvrir, c'est la porte de l'est. Donc, il y en a qui pensaient que Habacuc était tellement dans le futur que c'est, dans le fond, c'est comme les mêmes prophètes que Daniel, que Paul et que Jean qui ont parlé, dans le fond, d'un homme qui va arriver, qu'on va appeler l'Antichrist. Et c'est comme le Seigneur quand il a commencé sa réponse dans Habacuc. Il parle des Chaldéens et tout de suite, il dit au pluriel, mais tout de suite, ça change vers le singulier. Comme s'il... on ne voit pas ça dans nos traductions françaises ou anglaises. Mais quand quelqu'un connaît l'hébreu, on voit que le Seigneur parle à un homme en particulier. Après avoir commencé par les Chaldéens au pluriel, il parle d'un personne en particulier. Au chapitre 2, il l'appelle cet homme un Geber. En hébreu, Geber, c'est un homme ordinaire, comme cette description que Daniel nous donne, Paul et Jean, lorsqu'ils parlent de cet homme antichrist. Et le mot chaldéen est important, comme on a vu tantôt, c'est il dit dans Habacuc 1:6, pardon, « Car voici, je m'en vais susciter les Chaldéens. » Juste après qu'il ait dit que je vais faire arriver quelque chose qu'on ne vous le croirait pas si on vous le racontait, Dieu dit « Car voici, je vais susciter les Chaldéens. » Mais le mot « chaldéen » est très intéressant dans le contexte des prophéties de la fin des temps parce que les deux
côté, si on veut, du nom chaldéen, c'est... dans le nom chaldéen, au début, on ne peut pas voir le nom babylonien, mais les Chaldéens étaient au départ un peuple, un empire. Mais dans le livre de Daniel, on voit que ce sont des chefs religieux de Babylone. C'est eux qu'on voit au début de l'histoire. C'est eux qui sont à la tête des sorciers, des astrologues, des mages. Comme on voit que la Babylone, on l'a dit tantôt, est faite d'une partie politique et d'une partie religieuse. Donc, ça correspond exactement à ce mot chaldéen qui décrit finalement la Babylone du départ, qui est aussi religieuse et politique. Et à travers les prophéties et à côté des citations de Paul, Habacuc est cité trois fois plus dans le Nouveau Testament, et un verset très important qui est cité beaucoup de fois, c'est quand Habacuc a dit, chapitre 2, verset 4, « Le juste vivra par la foi ». On trouve ça dans Romains 1, Galates 3 et Hébreux 10. Donc, en plus, le mot est vraiment important. Comment le texte commence? Le verset 1, on dit « oracle ». Et le mot en hébreu serait comme plus la charge qu'Habacuc, le prophète, a vue. Voyez-vous comment c'est appelé la charge ou le fardeau? Le mot hébreu nous donne l'idée d'un fardeau, de lever quelque chose de très lourd. Pourquoi on a utilisé ce mot pour décrire une prophétie? C'était pas facile, ni pour Habacuc, ni pour aucun autre prophète, de proclamer la parole de Dieu. La même chose, c'était pas facile pour Moïse, ni pour Jean, ni pour Paul, ni pour aucun des prophètes ou des gens qui veulent suivre Dieu. Donc, on voit que ce n'est pas un message populaire, c'est un massa, qui vient du mot nasha, qui vient du mot fardeau, comme on a dit. Donc, à toutes les autres fois qu'on voit ce mot ici, oracle, comme on voit ici dans Habacuc, souvent c'est marqué oracle au sujet de, par exemple, Babylone, ou Damas, ou l'Égypte. Mais ici, c'est simplement oracle, parce que la prophétie ici concerne non seulement un pays en particulier, mais le monde entier. Et c'est comme ça que Habacuc a formulé sa prière, sa complainte à Dieu. Verset 2. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié et tu n'écoutes pas? J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas? Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et de la discorde qui s'élèvent. Aussi la loi n'a pas de vie, la justice n'a pas de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. Ici, on voit une prière puissante qui vient d'un cœur qui aime et qui s'en fait pour son peuple. Habacuc vivait dans un monde très méchant, mais il s'en faisait, il s'est impliqué. Il a refusé à accepter le statu quo. Et sa foi l'appelait à faire quelque chose, à prier, à agir. Donc, il aurait pu fermer ses yeux puis se garder quelque part dans le secret, ou dans un genre de philosophie, vous savez, de se trouver toutes sortes de raisons. Mais il savait que ça ne serait pas bien de faire ça. Et donc, il a combattu le mal en se tournant vers Dieu. Oui, en lui posant une question, mais en même temps en priant et en demandant des réponses. On sent l'intensité de la prière dans l'hébreu. Les premiers mots sont « crier à l'aide ». Ce n'est pas la même expression que plus loin quand il dit « j'ai crié à toi, violence ». Le premier mot, « shivar », ça veut dire « crier à haute voix pour de l'aide ». Mais le deuxième mot, « zarak », veut dire de crier quand on est en détresse et de plus en plus fort pour être entendu. Donc, on voit qu'il y a une progression entre les deux. C'est comme si Habacuc a prié un long temps
entre le début où il était dans la détresse, etc., et le deuxième, à la deuxième fois, on voit que ça semble vouloir dire qu'il a prié un bon bout de temps. Et il se plaint que Dieu lui a fait voir beaucoup de choses de mal. Et les verbes sont dans un temps imparfait qui montre une action continue, comme pour dire, pourquoi tu me laisses continuellement voir les choses mal qui arrivent continuellement? Vous savez? Et c'est là qu'il nous dit, que le prophète nous dit, comme un catalogue de 6 choses mal qui décrivent l'état final où se trouvera la société avant qu'une punition devienne inévitable. 2 fois le mot violence, iniquité, méchanceté, destruction, querelle, contention, chaque mot est rempli de sens. Et rappelons le mot « violence » qui est dit 2 fois, c'est le mot en hébreu « amas », un mot qu'on connaît bien aujourd'hui. Et avec ça, on voit que le prophète a dit « j'ai crié à toi, j'ai crié « amas », j'ai crié « violence », mais tu n'as encore rien fait. » Donc, c'est une façon de prier qu'on pourrait utiliser aujourd'hui, demander à Dieu de faire quelque chose, de nous donner la paix malgré tout ce qui arrive. Le mot « amas » a déjà été utilisé. La première fois qu'on le voit, c'est dans Genèse 6, lorsque Dieu a dit que la terre était remplie de « amas ». Donc, la terre était remplie de violence. Et c'est à ce moment-là que Dieu a décidé d'amener un jugement et de recommencer ensuite à zéro avec 8 personnes. Le mot « amas », c'est la première fois qu'on le voyait dans la Bible, c'est dans Genèse 6, pour dire que la terre était remplie de violence. Un autre mot qui est utilisé, le mot « iniquité », « awen » en hébreu, et signifie le trouble, l'idolâtrie ou le vide. Les deux mots, idolâtrie et le vide, sont liés ensemble parce que quand on s'éloigne de Dieu, de sa parole, c'est de l'idolâtrie et ça l'amène dans notre vie le trouble et un grand vide dans notre cœur. Le deuxième mot pour iniquité ou méchanceté, ramal, parle d'un travail difficile. L'impression, c'est que ceux qui vivent dans le mal, ils vivent pour le mal, peuvent pas avoir vraiment de paix dans leur vie, même si extérieurement, ça aurait de l'air à ça. C'est qu'intérieurement, c'est un grand combat de vivre ainsi une double vie. Mais on voit ce que Habacuc lit ces choses du mal avec le manque de connaissance de la parole de Dieu. Il dit au verset 4, chapitre 1, que la justice n'a pas de force parce que le mal est partout. C'est ce qu'il dit dans son texte. On ignore la loi. Famine de quoi? La justice n'a pas de force. Pourquoi? Dieu a bien répondu à cette réalité lorsqu'il le dit dans Osée, chapitre 4, verset 6. Il dit à Israël, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Pas la connaissance de n'importe quoi et de la science et toutes ces choses-là, mais qui sont importantes. Mais le manque de connaissance de la parole de Dieu, de ce que Dieu dit. C'est la meilleure façon d'avoir le bonheur et malgré tout ce qu'on vit. Donc, la principale raison de la chute d'Israël, ce n'était pas un manque de tradition, de légende, de la science ou même de ce que les écrits étaient faits eux-mêmes, mais c'est un manque de la connaissance. On peut avoir la Bible, beaucoup de versions et manquer de connaissance dans le sens qu'on n'étudie pas vraiment en profondeur. Donc, un manque de la parole de Dieu. Et Dieu dit, c'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif et mourra de faim. Ésaïe 5, verset 13. Donc, ce n'est pas une coïncidence si tout ça est arrivé présentement.
On dirait que Hamas a fait exprès pour attaquer le 7 octobre 2023, alors que c'était la fête de Simrat Torah, qui veut dire la joie de la Torah, après avoir lu la Torah pendant une année. C'était une fête le 7 octobre qui se passait. C'est à ce moment-là qu'Hamas a décidé d'attaquer. Mais on voit dans la manière que le Seigneur répond à Habacuc, il répond de la même façon que le Messie. C'est le seul un jour qui pourra arrêter cette vague de haine et d'antisémitisme dans le monde. Donc, on voit que quand Habacuc a demandé cette question importante, jusqu'à quand, Seigneur, on voit que le Seigneur va amener la vraie paix. Même si rien n'a changé autour de lui, le prophète a eu la paix suite à ça. Un des plus beaux versets, psaume 136, c'est qu'on voit l'amour de Dieu parce que la phrase « car sa bonté dura toujours » revient 26 fois. Et le mot hébreu pour « sa bonté » est « chesed », un mot très riche qui parle d'une action que quelqu'un fait sans que l'autre ne mérite rien, une action faite sans aucune obligation, mais seulement par amour. C'est ainsi que Dieu étant amour, a décidé de nous aimer, a décidé d'offrir le salut à quiconque veut croire et d'offrir le salut à quiconque croit par la foi. Comme le prophète a dit, le juste vivra par la foi. Alors prions ensemble le Seigneur pour le remercier de tout ça. Let's bow our heads in prayer. And so we praise you, Heavenly Father, for rejoicing the fact that you are able to come. We are able to come to your presence. And we do so in a humble state. Our hearts and minds and mouth are full of thanksgiving as we say, bless the Lord, O my soul, and all that is within me. And so we ask that each of us, you would teach each of us your will, your words. We thank you for this great treasure that we have in your scriptures, and we want to understand that it is your word to us and that it carries power and blessing in ways that no other documents ever written can. We pray now that you'll confirm in our hearts all these things. Give us a great love for your truth and a love that will lead us to want to share your word with the unsaved, for time is short, Heavenly Father. And so, Lord, rest your spirit on those who are hurting, who are going through difficult times. Give them hope and joy. Rest your salvation on those who desire it. This is the time, Lord. Let them come and see how great you are. And to the congregation, the Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen and amen. Oh, Jerusalem, I have said much. I have said much more.